Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. Peugeot a levé le voile sur la troisième génération de la 308 qui aura été longuement fliquée au cours de sa phase de développement. La compacte française rompt avec le passé, prend ses distances avec la génération sortante. Elle affiche 4,36 m de long, soit 10 cm de plus que cette dernière, s'offre un look au charme ravageur, marqué par une face avant qui reprend les gimmicks introduits par la 508 et qui inaugure, pour sa part, le nouveau logo de la marque. Le profil et la poupe font également de l'effet. À bord, la montée en gamme est sensible et la connectivité progresse de manière remarquable, tandis que sous le capot, le choix est donné entre un bloc diesel 1,5 Blue HDI, un bloc essence 1,2 PureTech et deux déclinaisons PHEV, Plug-in Hybrid. Plus d'infos sur wandaloo.com. Le groupe BMW a tenu récemment sa conférence annuelle, un événement dématérialisé, situation sanitaire oblige, qui a vu le top management de la firme allemande annoncer un rebond spectaculaire de sa marge opérationnelle en 2021. Autre thème central de cette conférence, l'affermissement de la stratégie d'électrification du groupe et de ses marques BMW, Mini et Rolls-Royce en l'occurrence. Pour donner plus d'ampleur à ses propos, le président du directoire du groupe BMW a levé un coin du voile sur la BMW i4, berline coupée 100% électrique conçue pour tailler des croupières à une certaine Tesla Model 3. Au programme, une gueule d'enfer, un habitacle futuriste et au niveau de la salle des machines, du très très lourd. L'i4 développera 530 chevaux dans sa variante la plus électrisante quand sa déclinaison la plus tempérante affichera une autonomie de 590 km en cycle WLTP. Le Volkswagen T-Roc est disponible depuis peu en précommande sur notre marché. Les premières livraisons auront lieu en juin prochain. Dans les plans initiaux de Volkswagen, il était prévu que ce crossover urbain de 4,23 m de long ne soit commercialisé qu'en Europe. Mais la marque allemande a finalement révisé ses plans et a décidé d'ouvrir ses horizons à trois autres marchés jugés porteurs. Il est ainsi à l'aube de sa carrière chez nous, comme en Turquie et en Afrique du Sud. Son look plus fun et plus audacieux que celui du grand frère Tiguan, mais aussi son habitacle à la qualité perçue au top, son coffre de 445 litres, le meilleur du segment des SUV urbains, de même que son 2 litres TDI de 143 chevaux, qui lui permet là encore de dominer ses rivaux, devrait lui permettre de se faire une place au soleil sur notre marché. Abdelaziz Melmi, directeur général de SM2A, société marocaine de l'automobile allemande, filiale du groupe Autohol et distributeur exclusif d'Opel sur le marché marocain, a accordé récemment un entretien exclusif à Wandaloo, une entrevue lors de laquelle de nombreux sujets ont été abordés. Après être revenu sur la performance exceptionnelle enregistrée par sa marque en 2020, malgré le contexte que l'on connaît tous, particulièrement compliqué, notre hôte a annoncé la couleur pour 2021 en matière de stratégie et d'offres produits. L'interview complète est à découvrir sur notre site et notre chaîne YouTube. Sopriam a revu en profondeur la gamme du Citroën C5 Aircross et a organisé des essais presse, un road trip entre Casablanca et le désert d'Agafay pour le faire savoir. Trois choses à retenir. Primo, l'apparition d'une nouvelle motorisation, le 4 cylindres 1,5 litre turbo-diesel de 130 chevaux, moins élitiste que le 2 litres de 180 chevaux, seul bloc commercialisé jusqu'alors. Deuxio, ce bloc est accouplé à une boîte manuelle à 6 rapports alors que le 2 litres fait exclusivement appel à une boîte auto comptant 2 rapports de plus. La troisième grosse info de cette animation de gamme est la conséquence des deux autres. Les tarifs du SUV au chevron ont été nivelés vers le bas. Il démarre dorénavant à 268 910 dirhams.
premier véhicule 100% électrique de Dacia, la Spring est au printemps de sa vie. Présentée en première mondiale en octobre 2020 lors de l'événement Renault E-Ways, cette petite citadine au look de baroudeur a en effet effectué il y a quelques jours ses débuts dans les concessions européennes de la marque. Signe particulier, c'est le véhicule zéro émission le plus accessible du dit marché. En France, par exemple, ses tarifs démarrent à partir de 12 403 €, bonus écologique déduit. Après avoir démocratisé l'accès à la voiture neuve, Dacia en fait de même avec la mobilité électrique. En plus de ses tarifs scandaleusement imbattables, la Spring peut compter sur sa petite bouille sympathique, son intérieur fun et connecté, qui embarque un système multimédia Medianav compatible Apple CarPlay et Android Auto, ou encore sur son petit électromoteur de 44 chevaux qui lui assure une autonomie de 230 km, voire de 305 km en ville. À très vite sur wanderloo.com.